table souvent parce que un jour, juste que tu parles, tu restes là-bas sur le dos. Mm-hmm. Et à lancer le live. Vas-y, parle. J'ai un enfant qui m'a contacté. Elle a un enfant qui aime. Elle m'a contacté pour une heure. Mm-hmm. Beaucoup de gens nous contactent parfois. Parfois, la même est plus tard. Mm-hmm. Mais nous, on les répond plus. Parfois, il y a un temps, même pour moi, c'est pour la rassurer qu'on fait tout dans nos pensées. Ouais. Parce que je pense que quand tu fais dans les cours sociaux, une personne est difficile de te contacter, mais répondre. Nous, d'abord, au fond, de temps en temps, on appelle pour prendre les nouvelles de l'enfant, comment la faire. Parce que le cas où elle vivait, ça n'est plus même en commun. Ouais. Elle a bon ami. Dieu. Et elle dit qu'elle avait l'enfant, donc elle dit qu'elle va au marché. C'est bon, quand tu vas au marché, l'enfant fait son mari. Elle dit qu'elle ne va pas faire le même. Parce que j'ai ma propre soeur. Elle est un enfant. Qu'est-ce qui fait qu'elle crée la situation? Parce que, comme on dit, chacun est avec son cœur. Maintenant, elle est avec une personne juridique. Parce que tous les amis, beaucoup de personnes sont. Ouais. J'ai fait la situation à Kéon. Je déclare ça parce que. Vous voyez que si une personne a 12 personnes pour une comme si moi j'ai intervenu. Ouais. Comme si moi j'ai intervenu. Sinon, on peut. Même pas dire qu'il peut être que vous pouvez faire des activités caritatives. Ouais. Mais sauf qu'en cas d'abus. Et tu ne peux pas faire recours. Je vois. Je peux décider maintenant de faire ça comme ça. Maintenant, c'est un point légal. On va dire ça comme ça. La situation est basée à Yaoundé. Ouais. Maintenant, alors, sur cette déclaration, on dit que c'est basé à Yaoundé. Maintenant, d'autres personnes qui ont besoin d'arriver de voir dans d'autres pays. Il y a certains de tous qui peuvent faire côté de Yaoundé. Quand tu fais, tu racontes que non. Ton champ de l'édition, c'est à Yaoundé. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de demander un agrément au ministère de l'administration territoriale. Pour agir sur tout le territoire, tout ce point. Pour que tu arrives dans une région. On est disait que mon attention n'a pas qualifié de jouer là-bas. Donc, quand on m'a appelé le ministère, vous me dites qu'il y a une correspondance là. J'estime que c'est ça qui a été. C'est vrai que les dossiers administratifs, parfois ici, là, sont lents, mais il faut être patient. Tu vois. Il ne faut pas jeter l'éponge. Tu sais ce que tu veux, il faut juste être patient. Il serait fait être très patient. Hein. Parce que la moitié des autres associations commencent par association de ceci, association de cela. Donc moi, j'ai décidé de faire la différence. Parce que nous, on fait parce qu'en français, quand on définit ça, c'est un amour sans limite. Ouais. Et c'est ce qui définit mon logo. C'est un amour sans limite. Amour pour toujours, forever. Voilà, amour pour toujours, à l'infini. Voilà, à l'infini. C'est-à-dire. Chaque jour qu'on est un nouveau jour, chaque jour est un jour renouvelé, un amour renouvelé, tout se renouvelle. C'est nous qui pensons que chaque jour qu'on est. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bonjour. C'est nous qui avons mis ça. Voilà, vous avez vu le titre. Je sais qu'aujourd'hui, c'est le 2 novembre, c'est le jour de l'événement de la soirée de Fleur de Lys. Pour moi c'est un mois très sombre. Bonjour Grand G Kouadio. Pour moi c'est un jour sombre parce que c'est la date de. Vraiment je suis désolé. Je suis très désolé. On a un problème de. Je ne sais pas ce qui se passe. Pour la TK Sadia Hadjar mon compte, je ne sais pas. Comme ils sont sur moi en tas. La TK c'est sur moi en tas. Parce qu'il faut savoir, papa pour vous que Dieu là où est là-bas. Aïe. Je ne sais pas, hein. Lâchez mon live, non, c'est comment? On va les envoyer, je la compris, on va les composer à la foire. C'est généralement la foire rouge. L'activité est. C'est eux, ce n'est que la foire rouge qui peut te. Bonjour, orphelinat Notre-Dame. Ouais, l'orphelinat Notre-Dame, mais tu as la maison. Je peux faire un tour chez toi, hein. Je ne sais pas mon programme. Je ne sais même pas mon programme. Je ne sais pas. C'est quoi ça? Ouais. Vous pouvez aussi faire un tour chez elle là-bas. Je vous dis,
Hein? Ça passe, ça vient, ça passe, ça vient, ça passe, ça vient. Ouais. Ça perturbe, ça fait comme ça là. On ne peut vraiment pas. On ne peut vraiment pas travailler. On ne peut vraiment pas travailler quand c'est comme ça. Bonjour à vous, bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà. Comme je disais tantôt, c'est un jour exceptionnel pour Fleur de Lys. C'est la journée tant attendue, le 2 novembre. La journée là, cette journée qui a fait vraiment, qui a battu son plein dans les réseaux sociaux. Et je veux dire ici félicitations à Mafo Fleur de Lys, cette femme déterminée. La définition, vraiment la définition même de la femme, on peut lui reprocher de tout, mais elle a ce côté là que quand elle veut, elle peut. Et puis elle s'y met. Elle n'est pas le style orgueilleuse qui reste à la maison pour attendre que ça vienne la trouver. Non, elle-même, elle touche du doigt. Voilà, elle touche du terrain, les réalités. Donc, je me retrouve en elle également. Quand je suis partie du Cameroun pour venir, quand je suis partie des États-Unis pour venir au Cameroun, fait dans l'agriculture, beaucoup ont crié au scandale, oh, une Américaine qui part des États-Unis pour venir au Cameroun faire dans l'agriculture, gna. Elle a vraiment, vraiment, elle s'est battue et puis elle n'a pas honte quoi, donc je me retrouve un peu en elle. Elle n'est pas complexée de faire ce qui lui plaît et de ne pas regarder le candidaton. De ne pas regarder le candidaton. Donc je suis là ce matin pour dire à Fleur de Lys félicitations. Le réseau dérange. Bonjour, c'est vrai, quand c'est bien, il faut encourager et je vous encourage toutes les deux. Voilà. Donc je suis là ce matin, malgré, en dépit du fait que le réseau dérange vraiment, je suis là. Donc, j'ai des difficultés à faire ce live. Je ne sais pas si le live est signalé, si ma page est attaquée, je n'arrive vraiment plus à placer un mot. Voilà, il y a les gens qui ne font qu'écrire que la Lyon est à Paris. Si c'est vrai, je te félicite la Lyon. Tu es vraiment une Lyon comme ton nom l'indique. Voilà le beau côté des réseaux sociaux également. Savoir tirer son épingle de jeu et savoir se positionner. Voilà. Aïe, je suis là fatigué. Donc vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Je n'arrive pas à placer deux mots. Et puis le live se coupe. Comme je disais tantôt, je fais. Merci pour les cœurs. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Voilà. Merci. Ouais, je dis donc félicitations. Je parle, ça part. Félicitations à la Lyon. Si c'est vrai que la Lyon est à Paris, je te dis félicitations. Voilà le bon côté des réseaux sociaux, savoir tirer son épingle du jeu. Ok? On ne vient pas dans les réseaux sociaux pour sortir perdant, non. On vient dans les réseaux sociaux pour tirer son épingle du jeu, prendre ce qui est bien et mettre de côté ce qui est mauvais. Donc c'est pourquoi je veux vraiment dire félicitations à la Lyon et bienvenue à Paris. Voilà, tu viens à Paris, c'est pas pour t'asseoir, faire les clashs, c'est pour te chercher, c'est pour te battre comme une Lyon que tu es, ok? Donc entoure-toi des bonnes personnes qui peuvent t'encourager, qui peuvent t'accompagner dans tes projets.
que tu allais faire, c'est un grand challenge. Le tout, ce n'est pas d'entrer, mais il y a un challenge. C'est un défi derrière à remonter. Il faut que tu te battes pour te stabiliser, pour avoir tes papiers. Ce n'est pas facile, mais tu es une lionne, tu vas savoir te battre. Je te dis encore félicitations à toi. Tu ne vas plus être traité de la blogueuse qui est au Cameroun. Tu ne seras plus traité de la blogueuse qui côtoie les moustiques au Cameroun. Tu ne seras plus traité de la blogueuse qui se lave derrière la maison. Voilà. Donc maintenant, tous ceux qui te traitaient de tous les noms vont un peu se... voilà. Un peu se calmer. Bon. Et puis, une fois de plus, félicitations à Flore de Lis. Je sais que ce soir... ça va faire boum. Je sais que ce soir Paris va s'exploser, ok, mais pour moi c'est une journée sombre parce que mon fils est tombé en novembre, ok. Mon fils est décédé le 1er novembre, mon fils unique. Donc c'est un mois que généralement je ne suis pas en joie, c'est un mois que généralement je ne suis pas en fête, c'est un mois généralement je ne célèbre pas, ok. Si j'ai lancé ce live, c'était vraiment parce que j'ai estimé que le jour tant attendu pour la diaspora parisienne était arrivé, le 2 novembre, l'ouragan, la fête de Flore de Lis. Donc j'ai estimé qu'il fallait que je lui donne ce dernier souffle, ce dernier coup d'envoi pour lui dire va de l'avant ma soeur, tu es une battante. Tu es un exemple. Tu n'es pas parfaite, c'est vrai, mais tu es un exemple à suivre. Tu sais te battre. Tu as su tirer ton épingle de ta stamania. Tu as su tirer ton épingle des réseaux sociaux. Comme tu as toujours l'habitude de dire, à un moment donné, on ne peut pas rester dans des clashs. Il faut passer à autre chose. Okay? Et puis tu es passé à autre chose. Tu es en train de montrer l'exemple à d'autres blogueuses qui sont... derrière toi, l'occurrence, comme nous autres qui t'avons trouvé dans les réseaux sociaux, que bon, on peut faire autre chose. On ne peut pas toujours rester dans les clashs, on peut faire autre chose. Voilà la preuve. Ok? Donc, j'interpelle toutes les grandes blogueuses à suivre cet exemple-là. De tirer leur épingle du jeu, de profiter de leur visibilité en faisant des trucs concrétifs, en faisant des trucs qui peuvent leur rapporter et non à rester dans le Congo ça. J'interpelle également ma soeur compresseur de sortir de tout ce qui est en train de l'embourber actuellement, les histoires de Tatiana, machin. Et donc, comme je disais tantôt, j'encourage notre consoeur Flore de Lis, notre consoeur compresseur à laisser toutes ces histoires de clash. De où c'est Tatiana, il n'y a plus rien qu'on va dire qu'on n'a pas dit sur Facebook. S'il fallait laisser Thierry, elle aurait laissé depuis. Comme elle a décidé de s'accrocher, vraiment qu'elle fasse vue ignorée. Voilà. Donc félicitations encore. Je demande à toutes les blogueuses de suivre le bon exemple. Je demande à tous les blogueuses de suivre le bon exemple de Flore de Lis. Ok, moi je suis venue au Cameroun accompagner mon mari dans ses projets de plantation. Je l'ai fait pendant un an. C'est pour montrer que non, la diaspora peut vivre au Cameroun. Si j'ai fait un an au Cameroun, ça veut dire que la diaspora peut. Donc maintenant, je rentre aux États-Unis, vaquer à mes occupations, me concentrer sur ce que j'ai à faire. Ok, j'ai été là un an pour l'aider à stabiliser ses trucs, pour l'aider à se mettre dans son projet de plantation. Donc, et Flore de Lis a décidé de se lancer dans l'événementiel et elle a montré qu'elle peut. Elle a montré qu'elle peut. Donc, que toutes les blogueuses là, au lieu de rester sur Facebook, a dit on veut du concret. Organisez les trucs, profitez de votre visibilité, profitez-vous de votre popularité, faites des trucs. Ok? Flore de Lis peut faire l'événementiel le 2 novembre. Quelqu'un d'autre fait même le 7 mars. Quelqu'un d'autre fait le 8 mai. L'espace est très grand pour tout le monde. Ok? Copiez le bon exemple.
et faites des trucs concrets. Donc bravo à la MAF au Fleur de Lys. Bravo à toi. Tu m'as beaucoup inspiré. Tu m'as montré que tu es une femme très déterminée parce que moi-même. Donc c'est ça. Donc inspirez-vous des bonnes choses. Inspirez-vous. C'est une femme vraiment, vraiment, vraiment. C'est une femme vraiment déterminée. Normalement, laissez même que compresseur est dans l'esprit de la concurrence. La vie en elle-même, c'est une concurrence. Quand on dit concurrence, c'est quoi? Tu vois que quelqu'un a fait quelque chose, si tu peux faire, fais-le également. La concurrence booste, la concurrence encourage quelqu'un à faire quelque chose. Ok, quand tu as vu tel faire, moi aussi je veux me lever. Bonsoir à toi, pasteur supérieur. Voilà. C'est ça. Donc, il faut faire ce qui est bien. Il y a trop de blogueuses sur Facebook là. Profitez de votre visibilité. Moi, j'ai profité de ma visibilité. J'ai vendu ma marchandise au Cameroun. Ok? Ceux qui croient que je n'ai pas vendu, j'ai sérieusement vendu. Sérieusement vendu. Donc, j'ai vendu. Voilà. Et j'ai aidé aussi beaucoup. Je repars aux États-Unis. C'est pas que non, j'ai fait des. Ce que j'ai fait au Cameroun, j'ai également beaucoup aidé. Ok, les gens ont beaucoup trouvé leur compte derrière moi. Black Beauty, bonsoir à toi, ma chérie. Les gens aussi ont également trouvé beaucoup leur compte derrière moi. Donc, j'encourage tout le monde. Oser. Fleur de Lys a osé. L'année passée, vous voyez, elle est partie l'année passée où c'était des 1000 places. Cette année où c'est 2000, combien de places? Elle va de l'avant, elle va de l'avant. Et l'année prochaine, peut-être va faire 4000 places, qui sait. Donc on ne peut qu'encourager ce qui est bien. On ne peut pas rester là à regarder le mauvais côté, à regarder les défauts. Mais il faut aussi voir des qualités et s'inspirer des qualités. Parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Okay? On doit s'inspirer des qualités des gens. Et ce côté de Fleur de Lys, de cette femme battante, déterminée, qui n'a pas honte, qui s'en fout du candidat-on, c'est ce côté-là que je veux attirer l'attention des Camerounais aujourd'hui. Ok? C'est ce côté-là que je veux impacter. Je veux dire que qui doit impacter les Camerounais et non le mauvais côté. Non. Nous tous, chacun a son cafard dans les placards. Mais inspirons-nous du bon côté que Fleur de Lys est en train de montrer aux yeux du monde. Ok? Et son bon côté, c'est cette femme dynamique, cette femme battante, cette femme entreprenante, la définition en elle-même de la femme camerounaise, de la femme Bamileke en particulier, parce que ça, c'est la particularité de la femme Bamileke. Et je vais profiter pour dire merci à tous ceux qui l'ont accompagné dans ce projet, merci à tous ceux qui l'ont soutenu, merci à tous ceux qui ont cru en elle, ok? Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et profitez-en. Ok, que la fête soit belle. Je ne serai pas présente, mais physiquement, mais en esprit, je serai là. Et après l'événement, nous aurons le temps de décrypter comme nous savons le faire. Ok, nous allons décrypter après l'événement. Donc, toutes les stars qui seront là, préparez-vous à être chic et glamour. Parce que je vais décrypter les coiffures, les chaussures, les vêtements, le mariage. On va décrypter après l'événement, ok? Peut-être je ne vais pas décrypter là. Je vais laisser le temps de laisser d'abord les gens s'agiter sur Meta. Parce que ce que j'aime souvent faire, je laisse les gens, même 5 jours, que les gens d'abord s'agitent. Les gens s'agitent. Et moi, je fais une sortie. Quand les gens ont fini de s'agiter, je viens condenser et je viens faire un décryptage clair et propre. Donc nous allons décrypter. Et cela nous interpellons Mafou. On va décrypter ton vêtement, hein, Mafou. On va décrypter tes chaussures, tes tenues que tu vas porter, ta coiffure, ton discours. Nous allons tout décrypter avec tous tes invités. Donc nous allons faire ce décryptage-là. Voilà, parce que les abeilles, je ne veux pas les pleurs de Mbolet. Donc, si vous ne voulez pas les pleurs de Mbolet, dites à tous vos stars qui seront là de bien se tenir et de bien s'habiller, d'être chic et glamour. Parce qu'après la soirée, nous allons décrypter.
nous allons décrypter après la soirée. Mais peut-être pas là, là, là. N'attendez pas ma sortie là, là, là. Peut-être même une, je sais pas, 5 jours après, parce que il y aura trop de, les gens vont relayer partout sur Facebook, les gens auront à dire la TKC, vous connaissez que la TKC, ils vont vous dire vos vérités. Vous savez que même la veuve joyeuse, elle vous attend comme ça. Donc je vais d'abord laisser, ils vont dire ce qu'ils ont à dire et après nous allons décrypter, ok? Nous allons décrypter. Donc c'est ça aussi qui doit faire la beauté de Facebook. Si on ne décrypte pas, alors Facebook meurt. Donc on sera dans notre rôle. Vous décryptez ce qui s'est passé dans cette soirée. Donc je félicite tout le monde. Je félicite la Lyon également qui a fait le déplacement. Je ne suis pas encore sûr, mais je vois les commentaires ne font que me dire que la Lyon est à Paris, la Lyon est à Paris. Donc si c'est vrai, je félicite la Lyon vraiment qui a su tirer son épingle du jeu. Et qui a fait le déplacement. Voilà. D'autres événements, qui sait, peut-être je serai là. Mais le mois de novembre, ce n'est pas un mois agréable pour moi. Ce n'est pas un mois de fête, en tout cas pour moi. Ce n'est pas un mois de fête. Voilà. Donc je suis là aussi avec un jeune petit qui a voulu me rencontrer. Ok? Il m'a vraiment. J'ai fait le tour pour le tout. Avant de rentrer que je le rencontre, parce que il a beaucoup sollicité me rencontrer. C'est un petit qui fait dans, recule ta chaise ici là, bon. Il fait dans les associations caritatives également. J'ai rencontré chez la reine galloise, je l'ai rencontré chez la reine galloise. Essaie d'expliquer un peu aux gens ce que tu fais en fait. Bien, bonjour à tous, moi c'est Ogre Asongaï, président fondateur de l'organisation humanitaire New Love Forever. En fait, c'est quoi New Love Forever? New Love Forever est une association qui fait dans l'assistance des personnes nécessiteuses. Quand on parle de l'assistance, ça veut dire qu'on compatit à leurs besoins. On les assiste en les offrant des soins de qualité, une éducation, en les offrant également des dons. Donc on promouvoit les activités caritatives, l'entraide entre les membres, et tout ce qui va avec, en fait tout ce qui est humanité, tout ce qui a trait à l'assistance aux personnes humaines. Maintenant, pourquoi est-ce que nous faisons des soins de qualité? Je veux que moi, en tant que personnel de santé, je peux aussi faire bénéficier de ma profession, de mes compétences dans le domaine de la santé aux personnes nécessiteuses. Ainsi que, avec mon carnet d'agrès, qui sont mes collègues, les infirmiers, les médecins, on peut également assister les personnes. Parce que, vous savez, en Afrique et particulièrement au Cameroun où je réside, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès aux soins. Et on a des maladies qui sont vraiment récurrentes. On a des enfants qui ne parviennent même pas à se déparasiter. Pourtant, chez les enfants, on parle de déparasitage, c'est primordial parce qu'un manque de déparasitage peut entraîner d'autres maladies. Donc, et quand on parle également d'éducation, beaucoup de personnes ont des potentiels, beaucoup de personnes sont intelligentes, mais ils n'ont pas de soutien. Maintenant, nous, vu nos objectifs, nous assistons à ce niveau. Ça veut dire quoi? Nous faisons dans ce qu'on appelle le médico-social. Parce que je pense que la vie a deux choses de plus précieuses, la santé et l'humanité. La santé d'abord c'est un domaine social et puis l'humanité, ça veut dire qu'on parle du domaine médico-social. Parce que nous faisons, on ne peut pas aller au-delà, parce que pour aller au-delà, il faudrait bien que l'association aussi elle-même soit au-delà. Donc on fait à la hauteur de nos capacités, et c'est qu'à la hauteur de nos capacités, pour assister ces personnes dans l'éducation, dans le domaine médico-social. Parce que vous savez, la santé c'est un domaine que, normalement, dans chaque famille, il faudrait qu'il y ait une personne qui connaît au moins des soins de base. On dit que tu es en train de rapper. Parle posément. Ah, il a encore. Tu es tellement rapide que les gens vont. Donc, comme je disais tantôt, on fait l'assistance aux personnes nécessiteuses. Quand je parle d'assistance aux personnes nécessiteuses, ça veut dire quoi? On les assiste dans les soins de qualité. Quand on parle de soins, c'est tout ce qui a gravé les soins. Ça peut même pas être dans la santé. Le terme soin, cela fait référence même au sport, à plusieurs choses. Donc soin, quand on parle de soin, ce n'est pas seulement soin sanitaire, ce qui va avec nous. C'est soin dans le sens général. Maintenant, quand on parle d'éducation, ce n'est pas une éducation spécifique. Quand on parle d'éducation, ça peut être des séminaires, ça peut être des programmes de formation à courte durée, ça peut également être à longue durée. Donc c'est un peu ça. Maintenant, nous faisons aussi dans la promotion des activités caritatives. Parce que beaucoup de personnes ont les moyens, mais ne savent pas
comment je peux dire, comment est-ce que le maître a profité des autres? Parce que vous savez, on dit qu'on vit, mais la vérité c'est que on ne vit pas pour nous. Parce que la preuve c'est que quand on meurt, on laisse. Donc c'est pourquoi nous faisons dans la promotion des activités caritatives, nous encourageons des gens à aussi tendre la main à ceux qui n'en ont pas. Parce que vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas cet état d'esprit, qui n'ont pas cette mentalité, cette habitude à donner. Ce n'est pas qu'ils sont juste méchants, non. C'est quelque chose qu'ils n'ont juste pas cultivé en eux. Nous les encourageons à profiter du privilège de la vie que Dieu leur donne, à le mettre au profit des autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'on meurt, on laisse tout. Et des gens même qui ne l'auront pas mérité vont consommer ce que nous sommes battus pour avoir. Donc pourquoi ne pas le mettre au profit des autres de notre propre gré? Parce que si nous mourons et que ces gens utilisent ça, ce sera contre notre volonté. Mais ce qui est véridique ici, c'est qu'ils vont utiliser. Donc c'est un peu ça notre objectif. Éveiller aussi les consciences. Éveiller les consciences, donc, n'est pas seulement se lever et dire que non, on a notre famille, nos agents s'arrêtent là. Parfois, je pense que la famille, dans le sens général, c'est cela qui partage même déjà une planète. Nous sommes tous dans la planète Terre. Nous faisons tous partie de ce monde. Je pense que d'un côté ou l'autre, nous sommes aussi une famille. Voilà. Donc quand on parle aussi de promouvoir l'esprit d'entraide entre les membres, ça veut dire qu'il ne faudrait pas seulement qu'une personne vienne dans l'association pour bénéficier. Il faudrait qu'elle vienne aussi pour aider. Parce que beaucoup viennent dans les associations parce qu'ils savent que les associations aident. Mais sauf que l'association en elle-même aussi a besoin d'aide. C'est ce côté que beaucoup de personnes oublient. Ils viennent juste, et d'autres personnes ont même déjà les moyens de les produire, mais viennent quand même pour encore prendre. Vous voyez? Et vous voyez bien que les associations en Afrique, beaucoup de personnes ne font vraiment pas, ne sont pas associations d'âme ni d'esprit, ils sont juste associations de manière physique. Si on va dire ça, ça veut dire que le nom association est juste une couverture, mais dans leur état d'âme, ils ne sont pas là pour aider les gens. Ils sont là pour passer par là, pour abuser beaucoup des populations. Donc, ça fait déjà beaucoup de personnes sont restreintes d'aider. Il faudrait cela qu'on montre à ces personnes que quel que soit le nombre de personnes qui abusent d'eux, il y a toujours un minimum qui fait de la différence. Parce que si c'est au canal des associations que des gens doivent passer pour aider les gens, il faudrait bien que ces associations aident ces gens et non d'abuser. Parce que je vous dis, le monde a le savoir de la spiritualité, parce que moi, c'est quelqu'un qui a la crainte de dire très spirituel. Ça veut dire que tout ce que nous faisons a un retour, toute action a une réaction au retour. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? La loi a sa nature et elle ne doit pas être violée, elle ne peut même pas avoir être violée. Ça veut dire que tout ce qu'on sème, on récolte. Tu sèmes l'abus, tu récoltes l'abus. Tu sèmes le bien, tu récoltes le bien. Ce que moi, j'aimerais apporter un peu, ce qui a retenu mon attention, ok, dans ce que tu fais, c'est cette formation en first aid. First aid, tu appelles ça comment au Cameroun? On appelle ça technique de premier secours. Technique de premier secours. Vous vous rappelez la dame qui est morte lors de son mariage? Elle est tombée directement, elle est morte. Elle est morte parce que les Camerounais ne sont pas éduqués. Beaucoup de Camerounais ne connaissent pas apporter les premiers secours à une personne qui est en train de faire un AVC. Elle est tombée, au lieu que les gens l'apportent directement, les premiers gestes qui pouvaient la maintenir en vie, les gens sont restés là, disent que non, elle est évanouie, machin, l'étouffer, parce que premièrement, il faut écarter les gens pour lui permettre d'avoir suffisamment d'oxygène. Deuxièmement, commencez à pomper. Vous n'êtes pas obligé de faire le bouche à bouche, mais au moins lui permettre d'avoir suffisamment de l'oxygène. Les Camerounais ne sont pas formés là-dessus. Les Camerounais ne sont pas éduqués là-dessus. Bon, une partie de ce qu'ils font, ils font des formations, ok, aux gens. Pour avoir, ils aident les gens à avoir cette formation. Donc, tu as dit que la prochaine formation, c'est quand? On a mis ça pour la session de décembre. Voilà, là, il y a une autre section en décembre. Vous qui avez les familles, il est à Douala, Baza, à Douala et à Yaoundé, c'est ça? Vous qui avez les familles, envoyez vos jeunes soeurs, vos jeunes frères, allez se faire former. Ça dure combien de mois? Un mois. Un mois de formation. Mais un mois c'est long quand même, hein. Rien non, que c'est, pour... c'est la durée que la foi vous je donne. Oh ok, là. La... Parce que nous on est sur les organisateurs. Voilà, donc, voilà. Là, ils sont formés par les moniteurs de la Croix-Rouge et les certificats délivrés par la Croix-Rouge. Voilà. Donc la Croix-Rouge au Cameroun recommande un mois de formation pour avoir le certificat.
allez encourager vos jeunes soeurs, vos jeunes, ça peut aider même dans la maison. Parce que vous allez entrer dans les maisons maintenant. Il n'y a personne qui connaît comment réanimer une personne qui est en arrêt cardiaque. Et c'est un danger. Dans les pays développés, même à l'école, on forme déjà les enfants. Comment faire pour aider quelqu'un en arrêt cardiaque? Donc, encouragez vos jeunes frères et vos jeunes sœurs. Si dans la salle de ce mariage, il y avait au moins une seule personne qui avait eu cette formation, cette dame ne serait pas morte. Vous vous rendez compte, une fête de près de 1000 personnes, il n'y a même pas eu une personne pour aider la femme qui a eu le réflexe de demander premièrement aux gens de s'écarter, de lui laisser l'oxygène et commencer dans les secondes qui suivent à l'égard à lui pomper l'oxygène. Il n'y a eu personne. Donc la formation, c'est 40 000, c'est ce que tu m'as dit, non? Là, c'est le médico-social. La formation, c'est 16 000 francs. Voilà, la formation, là, c'est 16 000. Pour pomper, non? La formation, c'est 16 000. C'est rien. Dans une maison, envoyez même une personne aller se faire former. Les gens qui ont les mamans au Cameroun. Ma maman est morte d'AVC. Il n'y avait personne à côté d'elle. Et c'était la nuit. On l'a retrouvée morte. Ma maman est victime d'un AVC. Elle était victime d'un AVC. Donc, dans une maison, rassurez-vous qu'il y a au moins une personne qui a cette formation-là au cas où, même s'il y a trois ans, même s'ils sont trois enfants, envoyez-les se faire former. Ça coûte 16 000. 16 000 francs, ce n'est même pas le prix d'une bouteille de bière que vous buvez là-bas en Bain, au Canada, aux États-Unis. Voilà, voilà. Elle dit qu'elle a payé 50 euros. Voilà, ici, la Croix-Rouge prend 16 000. Et eux, ils sont les gens qui forment chez eux, c'est les techniciens de la Croix-Rouge. Donc, envoyez vos frères et sœurs. Même les étudiants, tous là. Voilà. Même si c'est les étudiants, l'autre là, ce n'est pas, c'est une formation que normalement l'État même devrait mettre ça à la disposition de tout le monde, même des grandes mères. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment quelqu'un peut être attaqué. C'est un truc, l'AVC est réel. Et ça tue. Et peut-être 50% des cas que les gens meurent, c'est parce qu'il n'y a pas une personne là. Pour commencer à aider la personne à avoir de l'oxygène. On tue même temps à rendre compte. On pense qu'on fait bien alors qu'on est en train de tuer la personne. Parce que si quelqu'un tombe, oui, il a droit là. Tu es bas situé ou donne là où tu es situé. Du côté de toi, il est situé à Nyalaraï. Donc, parce que moi, je travaille dans un centre médico-social. Je suis le responsable administratif et social dans un centre médico-social. Donc, du coup, je passe plus mon temps là-bas. Pour ceux qui veulent me rencontrer, c'est au centre médico-social Dieu béni. Je suis à Nyalaraï. Quand vous êtes à Nyalaraï, vous m'appelez. La maman va mettre mon numéro. Donne ton numéro en direct. D'accord. 614. Oui. 96. Oui. 04. Oui. 97. C'est également mon WhatsApp. Donc, avec ou sans crédit, vous avez la connexion. Vous pouvez m'appeler. Vous pouvez me contacter même par WhatsApp. Voilà son numéro que j'ai épinglé. C'est bon, non? Oui. Voilà son numéro et donne ton nom encore pour une seconde Aubrey fois. Asongaï. Asongaï. Audrey. Asongaï. Voilà, Audrey Asongaï. Asongaï. Oui. Voilà. Voilà son nom, voilà le numéro de téléphone. Contactez-le pour la formation de décembre. Et à Yaoundé, la formation, c'est quand? Pour Yaoundé, on va mettre ça pour la session de janvier-février. Voilà. Pour Yaoundé, il faut que je descende d'abord. Voilà. Mais si tu as les gens qui t'appellent et que la demande est élevée à Yaoundé, je les refais directement à la Croix-Rouge. Je les envoie directement à la Croix-Rouge. Voilà. Donc, vous avez vu, non? Il peut vous référer directement à la Croix-Rouge. Et la Croix-Rouge vous délivre un certificat qui est aussi bien
quand pour ajouter à son CV. International. Qui aussi vient pour ajouter parce que moi-même, ma licence que j'ai pour le First Aid, je crois que c'est toujours la Croix-Rouge aux États-Unis qui m'avait délivré ça. Donc mes gens, voilà. Et en dehors de ça, vous avez quelle formation encore? Comment vous en faites? En dehors de ça, on fait aussi la formation parce que New Love Forever est en collaboration avec le Centre Médical Afrique Labo Santé et le Centre de Formation Professionnelle Performant Campus. Parce que nous offrons des formations dans le médico-social. Ça veut dire quoi? Nous offrons des formations à ces personnes qui sont dans le besoin d'avoir une qualification pour s'intégrer dans le monde professionnel. Parce que beaucoup de personnes ont la main, ils sont intelligents, mais ils n'ont pas les moyens pour pouvoir avoir accès. Concrètement, c'est quelle formation? C'est une formation qui fait dans la médecine du social. Ça veut dire que on vous forme à prendre même soin des personnes âgées, on vous forme à faire des soins de base comme des aides-soignants. Les débouchés d'une formation médico-sociale, c'est aides-soignants. Vous aider à prendre soin des personnes âgées, ça veut dire que les aides-soignants, non? Oui, aides-soignants, auxiliaires de vie sociale, ce sont tous des préposés aux bénéficiaires. Donc vous formez? Oui. Bon, pour ceux qui sont au Cameroun, qui veulent que les soeurs peut-être aient une formation en auxiliaire de vie, aides-soignantes, et la formation dure combien de temps? Ça dure 6 mois. Oui. Oui, parce que les stages, c'est nous qui couvrons. Ça dure 6 mois. Quand on parle d'assistance médico-sociale, c'est une formation non homologuée au Cameroun. C'est une formation qui offre même plus d'ouverture. Parce que moi, j'ai pris dans mon contenu le système européen. Pour que si une personne avec ce diplôme qu'on délivre se retrouve à l'extérieur, qui ne soit pas confus. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on forme de manière indépendante, mais les modules, les programmes de formation sont donnés par le centre de formation professionnelle et le centre hospitalier d'appui et le centre médical Afrique Labo. Nous, en tant qu'association, nous sommes des organisateurs et vu qu'ils sont nos partenaires, ils nous assistent aussi dans un cadre social. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, l'inscription, c'est 40 000 pour une durée de 6 mois. 40 000 même c'est... Pour être auxiliaire, mais ça c'est cadeau, hein, $80. C'est cadeau, c'est pour aider en fait. 40 000 c'est pour aussi joindre les autres charges, payer les transports des formateurs. Parce que je ne vais pas dire que je paye les formateurs, non. Ce sont des personnes qui viennent aussi donner de leur part. De leur part dans l'association pour offrir cette formation. Voilà. Voilà. Donc 40 000 francs. 6 mois. Mais c'est pas gratuit, hein. C'est gratuit, l'inscription, c'est juste pour... Ça c'est gratuit. Voilà. Les jeunes, les frères, ceux-là qui veulent avoir des soeurs, aides-soignantes, First Aid, auxiliaires de vie. Voilà le numéro du monsieur qui est épinglé là. Appelez-le. Retirez vos frères et soeurs des maisons d'aller se faire former dans des petits métiers qui peuvent les aider demain. Ok? Donc c'est ça. Et je crois que les prix sont abordables comme ça parce que c'est quand même c'est comme une ONG et qui font dans les actions pour aider les gens. Et je crois que c'est pourquoi aussi les prix sont à ce sont comme ça. Est-ce que ces diplômes sont validés par l'État? Est-ce que ces diplômes sont validés? Non, c'est les certificats qu'on donne. Je peux l'expliquer un peu. Oui. Quand on parle d'association, ONG, ce sont des personnes qui agissent d'abord de manière indépendante. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on parle des diplômes reconnus par l'État, ce sont des diplômes qui vous donnent accès à des services publics. Mais avoir un certificat délivré par une association ne peut pas vous empêcher d'avoir accès, par exemple, dans des centres de santé. Il y a plusieurs centres, ce n'est pas seulement dans les services publics que vous pouvez travailler. Parce que je dis souvent aux gens que quand on est là pour aider, on agit à la hauteur de ses capacités, on ne peut pas faire plus qu'on est plus en offrir. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne peux pas vous donner la lune alors que ne parvient même pas là-bas toucher les nuages. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc les diplômes sont des certificats. Nous agissons de manière indépendante. Mais maintenant pour la qualité de la formation, nous sommes en collaboration avec un centre médical et un centre de formation professionnelle. Ça c'est pour vous offrir une formation de qualité sur une durée de 6 mois. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour vous permettre, on ne vous forme pas pour devenir médecin, quoi que ce soit. Non, on vous forme pour que vous soyez apte à faire des soins de base. Ça veut dire quoi? Même chez vous. Si vous êtes dans les capacités d'amener vos enfants dans des grands hôpitaux publics ou deux, vous pouvez savoir que bon, si la personne manifeste tel symptôme, il faut faire comme ça. Pour avoir les connaissances de base, c'est très important. De base. C'est très important. Parce que beaucoup n'ont pas les moyens.
les enfants qu'on vise à la maison. Par exemple, hier, j'ai reçu... À ce prix, 40 000, c'est bon. J'ai reçu, une dame hier au centre qui a fait un palugras. Elle n'avait pas d'argent. Un palugras sur grossesse de 3 mois. C'est qui a entraîné une fausse couche. Imaginez un peu si elle connaissait au moins ces soins de base. Que, en cas de palugras, il faut prendre tel comprimé, malgré le fait qu'elle n'ait pas d'argent. Elle pouvait s'auto-soigner elle-même. Mais elle a fait un palugras, elle n'a pas crédité. Et ça a impacté le futur. Ça a entraîné à une fausse couche. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point le manque d'argent peut même nous faire même mourir même à la maison. Ah oui. Et la santé est la première richesse qu'il y a. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quelqu'un connaît les soins de base. Vraiment, il a tout. Il a tout. Maintenant, pour ce qui concerne l'État, non, nous ne travaillons pas avec l'État. On est une association déclarée. On est une personnalité juridique. Les centres travaillent et que nous travaillons, on l'a demandé. Donc, je pense que c'est un bon contenu parce que premier secours. Je déplace les moniteurs de la Croix-Rouge. Domaine de la santé, je déplace les médecins. Les domaines des soins pratiques, je déplace une infirmière du premier état. Moi-même, on n'allait jamais me voir devant vous pour vous former. À part, c'est pour vous promouvoir l'esprit humanitaire. Là, je peux intervenir. Donc, voilà. C'est un peu ça. Voilà. Donc, vous avez écouté notre jeune frère. OK. Et voilà, c'est ce qu'il fait. Il faut encourager ces jeunes-là qui mettent... Madoka, bonjour, voir vos femmes, s'il te plaît, maman, est-ce que ma soeur, s'il te plaît. Oui, 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 je parle ça tout le temps. Moi, j'encourage toujours les femmes à partir de 35 ans à montant, maximum 40 ans. Chaque année, de faire l'examen du col de l'utérus et de faire la mammographie. Moi, je dis toujours ça parce que vite, on découvre, vite, on peut traiter. Quand on découvre tard, c'est là où ça se complique. 35 ans en montant, 40 ans maximum. Faites toujours, au moins une fois par an, votre examen de col de l'utérus et la mammographie. C'est quoi? Oui, la mammographie. C'est très important. C'est très, 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 très important. Parce que les Camerounais, ils promouvent le curatif plus que le préventif. Donc, apprenez à vous accentuer, à mettre de l'accent sur pour prévenir et non attendre le pire pour commencer à réfléchir qu'on va faire comment. Donc, c'est important. Voilà donc notre jeune frère. Il enverra son numéro, appelez-le, soutenez-le dans ce qu'ils font. Soutenez-le. S'ils viennent me rencontrer aujourd'hui, c'est parce qu'ils croient en vous, la diaspora camerounaise. Eux-là qui sont restés au pays, ce n'est pas facile. Ils veulent bien faire. Ils veulent accompagner. Ils veulent accompagner, ils veulent soutenir. Mais parfois, ils sont limités. Il y a les jeunes qui veulent se faire former, mais par manque de moyens. Par exemple, cette formation en auxiliaire de vie, 40 000. Vous allez voir qu'il y a des jeunes filles qui veulent le faire, mais financièrement, elles n'ont pas. Alors que si elles ont cette formation-là, c'est que peut-être les petits centres de santé, elles peuvent aussi aller se débrouiller là-bas. Elles ne vont pas manquer les 10 francs, 5 francs pour se battre et s'en sortir. Donc voilà. Quand la formation va débuter en décembre, contactez-le, envoyez vos frères et sœurs pour qu'ils viennent se faire former. La formation de first aid, c'est 16 000 francs de premier secours. Le premier secours qui tue les gens tous les jours, que quelqu'un a un AVC. Il y a quelqu'un qui dit que la mammographie se fait tous les 2 ans. Chez vous, peut-être dans ton pays, là où tu te trouves. Mais chez nous, aux États-Unis, c'est chaque année. Chaque année, il faut faire la mammographie. Je ne sais pas où tu sors avec tes 2 ans. Je ne sais pas quelles restrictions, qu'est-ce qui oblige une personne à attendre 2 ans pour faire un dépistage de mammographie. Ça veut dire que quoi? Que si tu as fait cette année, l'examen de la mammographie, donc à 6 mois après, tu ne peux pas avoir
un cancer du sein, ou un mois après, tu peux pas, un mois après que tu aies fait l'examen, tu ne peux pas développer un cancer du sein, ou alors 3 mois après. Donc, ce que tu dis là ne tient pas la route. Ok? Il faut se faire dépister tant qu'on peut. Il n'y a pas un délai. Il n'y a pas un délai. Moi, je ne vois pas qu'il y ait un délai qu'on m'a dit que chaque 2 ans. Si tu veux, chaque 2 ans, si tu n'as pas les moyens. Mais si tu as tes moyens et que tu peux faire ton test même chaque année, c'est l'idéal. Parce que tout peut se passer entre temps, en attendant les 2 ans là. Tout peut se passer et le pire arrive. Ok? Donc, Marceline, merci pour ton intervention. Mais chez nous aux États-Unis, c'est chaque année. On va donc dire, on va continuer donc à dire bravo à Mafoflo de Lille. Ouais, Chokonzou dit que débloque la lionne officielle, Mado. Chokonzou, viens me donner le face. La lionne est où, maman? Chokonzou, écris, tu me dis, la lionne est où? La patronne est où? La lionne. Maman, voilà les vrais généraux. Fidèle jusqu'à bah, les pingouins généraux que j'ai eu, maman, qui voulait seulement venir mettre le doigt dans mon œil. Hey! Adama, la team des US, on peut faire ça. On peut faire ça. Et Chokozu, t'avais tout dit, je suis la meilleure générale de Facebook. Je confirme, Chokozu, tu es la meilleure générale. Bonsoir. Pas les généraux lap qu'on a eu sur Facebook qui veut seulement venir mettre le doigt. Voilà, il y a une autre personne qui dit qu'au UK c'est chaque 3 ans. On peut dire chaque 3 ans, mais entre temps, est-ce que si le cancer va attendre 3 ans pour t'attaquer? Si ça va t'attaquer, même 6 mois après ça t'attaque, 3 mois après ça t'attaque. Donc quand tu peux te faire tes examens, ok? Chokozu, où est ta patronne? Viens nous dire, on ne fait que m'indiquer la Paris, elle à Paris. Maman, au bout de ça. Maman, on va respirer avec la lionne. Hey! Si la lionne arrive à Paris, on va lire dans les mains de la lionne. Maman, on va encore mettre nos têtes où, maman? Au moins, on lui dit, hey, toi là, Mbopi. Mbopi, maman, qui va encore l'appeler Mbopi? Hey! Maman, si la lionne en bengé, maman, que chacun ne vienne pas mal. Là où la monétisation donne l'argent, la maman, la lionne va s'asseoir et maman va mettre nos têtes à l'heure si. Si elle provoque la lionne, elle va lire dans ses mains, maman. Parce qu'elle va lire en arabe. C'est depuis le Japon, je vais te taper au Cameroun. Je vais t'attendre Mbopi, je vais maman. J'ai fait la lionne à déménager, la lionne se cachait même. Maman, à l'heure si là, elle va nous laver, maman, ça ne va aller nulle part. Elle va nous laver matin, midi, soir. Donc, je suis d'accord avec toi, Doka, mais ce que j'ai dit m'a été rappelé par mon médecin dans ce mois d'octobre 2024. Wow, mon Dieu, mon Dieu. Je suis là-haut. La reine m'a faut de retour. Maman, si la lionne en France, on est mort en guerre. Si elle nous a traumatisés au Cameroun, imaginez alors en France. Maman va mettre nos têtes. Quelqu'un va respirer avec la lionne. Hey! Chokozu, où est ta patronne? Je ne t'ai pas demandé d'envoyer les cœurs, Chokozu. Où est ta patronne? On dit qu'elle est en bain. Où est ta patronne, Chokozu? Ta patronne est où? En tout cas, on dit félicitations à tous ceux qui ont fait le déplacement pour la soirée. Maman, la reine m'a fait de retour si tu dis je crois. J'ai dit que si tu dis je crois. Non, la lionne a suturé son épingle du jeu. Voilà le bon côté des réseaux sociaux. Les gens qui viennent sur Facebook 5 ans après, ils ne peuvent pas montrer que je nous ai profité des réseaux sociaux là. Je déplore. Voilà la lionne qui a profité des réseaux sociaux.
elle a su tirer son épingle du jeu. C'est ça. C'est ça qu'on dit que tu viens avec ça à la tête et non l'ombre. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux avec les là. Voilà. Voilà la lionne, la petite lionne qui a commencé hier. Là, voilà, il y a Barré. Elle va récupérer le blog camerounais à Barré. Parce qu'elle a le potentiel, elle, la lionne. Elle a le potentiel. Oui. C'est aussi une battante comme Flor de Lille. La lionne sait se battre. Elle sait se battre. Elle sait se battre. Donc moi je l'encourage, je la félicite beaucoup. Voilà. Vous savez, venir en main, c'est une chose. Se battre, se rester et trouver son chemin, c'est autre chose. La prière a commencé à mes gens. Mon fils est venu me donner. Attendez, vous montrez mes gens. Quand vous me négligez là, mon fils, sinon, quand vous me négligez, regardez ce qu'il est venu me donner pour qu'elle rentre avec. Regardez. Maman, le pistache. Quand j'ai vu ça, j'ai crié. Il y a des portiquets. Regardez. Hein? Il mérite qu'on l'encourage, non? Il mérite qu'on lui fasse une bonne pub, non? Voilà, très bien. Maman, depuis ça, je vais manger ça même une mois, ça ne va pas finir. Hein. Je vais écraser ça avant de partir avec. Je vais mettre dans ma valise. Je vais mettre dans ma valise, les gens. Donc, c'est ça. Rarement, viens au pays et tu vas voir quelqu'un qui va dire que voilà même une voix d'arachide, pas avec elle. Rarement. Les gens veulent que quand tu viens, tu donnes. Au retour, hein? Au retour, hein? Tu ne donnes pas. Au retour. Il y a même une voix d'indiens sans personne ne te donne. Tout au contraire, même qu'en partant, tout ce que tu as amené, en partant, tu les laisses avant de partir. Mais dis qu'ils te donnent même une voix d'indiens sans. Personne ne donne. Donc le petit m'a impressionné, non? Plus de 20 ans que je suis dehors. Je peux dire que c'est la troisième personne qui me donne quelque chose quand je viens au Cameroun. Il veut seulement que vous donnez jusqu'à la langue. Le jour que vous ne donnez pas, chacun prend sa main. Et comme ça, le Cameroun. Les 1 an que j'ai passé au Cameroun, ça m'a permis de beaucoup comprendre. Ça m'a permis de connaître ce que c'est que les Camerounais. Quand vous venez d'arriver, que vous avez, les gens vous assiègent. Parce que tu donnes. Le jour que tu ne donnes plus, chacun commence à prendre sa route. Ils partent là où ils vont encore avoir. Personne ne reste. C'est comme ça les Camerounais. Donc j'ai eu le temps de vous comprendre. Mon séjour de 1 an au Cameroun m'a beaucoup ouvert les yeux. Ça m'a beaucoup ouvert les yeux. Et si je ne tire pas les leçons par rapport à ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu comme comportement des Camerounais, je ne crois pas que je vais encore tirer les leçons. Ma faute de retour, les gens qui sont l'hôpital, ça vient pas normal, c'est beaucoup juste là. C'est beaucoup. Et j'ai écrasé le couscous, c'est que de rentrer avec. J'ai écrasé le couscous en boule, j'ai écrasé le couscous en morceaux. Et à partir du mois prochain, le macabo. C'est bon, papa. À partir du mois prochain, le macabo va commencer. Quand je vous vois, excusez-moi le père, quand je vous vois avec les papiers du TSC, je me rappelle de mon feu papa. Mon feu papa. Hey!
Mon père, il marchait avec les mallettes, tu croyais qu'il partait au bureau à Boraton. Mon vrai papa, je suis là, je suis assise, il y a les certains papas là, ils ont que les papiers de Dieu. Ça m'a rappelé mon père. Mon père avait une mallette, il m'a... Non, on ne vous voit pas, papa. On ne vous voit pas. Mon père marchait avec les... Ah, tu as vu dans les numéros. Maman, mon père, c'est comme s'il était à l'école, hein, mes gens. Mon père passait son temps à connaître, à calculer l'équipe, qui va, les numéros qui vont gagner. Voilà. Et si tu as le bonus. Et le désordre du quartier. La collection de la vie. Moi ça. Mon père vendait les numéros aux gens. Ah bon? Il étudiait les numéros, il vendait. Où il vendait à 500 francs, où il vendait à combien? On ne sait même pas. Il vendait les numéros. C'était son désir. Et tu le voyais avec la mallette. Il y avait seulement les papiers de TSC dedans. Mon père était un joueur de TSC. Tu partais à Bonanjo, tu ne pouvais pas le rater là-bas. Ah, c'est pour moi que tu es ta retraite, non? Bonjour. Bonjour. Monsieur, bonjour. En tout cas, Maman Adèle, c'est ça que tu parles doucement. C'est ça que tu parles, ma soeur, ce que j'ai vu cela. Maman, comme je rentre là. Comme je rentre aux États-Unis là. Je suis une nouvelle personne. Vous avez compris. J'ai passé ma vie à embrasser les gens. À penser aux gens plus que moi-même. À penser aux gens plus que moi-même. Je pense à la nuit avant de dormir. Si je pensais à moi-même, c'est que j'ai les immeubles au Cameroun. C'est que j'ai plus que ce que j'ai. C'est que c'est les immeubles que j'ai. Mais j'ai passé ma vie à penser aux autres. Mais je rentre là, mes gens, je suis une blessée de guerre. Je ne pense plus à quelqu'un, je pense à moi-même. Pour que quelqu'un me voit encore avec les yeux, je ne dis même pas pour me voir avec les yeux. Si je ne t'aime pas jusqu'à, tu ne t'approches pas de moi. Je suis venu au Cameroun, je me suis rabaissé mes gens. Je me suis rabaissé au Cameroun. J'ai dit que non, on ne vient pas, je ne vais pas jouer. Mais tu veux jouer à l'orgueil des bengues. L'orgueil des bengues. J'ai mes miettes pour être orgueilleuse quand même. Donc, je ne vais plus me frotter à n'importe qui. Je ne vais plus me frotter à n'importe qui. Pour que quelqu'un me voie. Et il me voit seulement. Vous ne même pas parler avec moi. Si je ne t'aime pas. Les gens ne vont plus me voir. Les gens vont faire des audiences pour me voir. Oui, je vais me vanter maintenant. Quand quelqu'un me voit, la personne va écrire l'audience. Non, je vais plus me rappeler. Hey, pardon. Je vais me rapprocher des gens. Je vais plus me frotter aux gens n'importe comment. Parce que dans la relation même, tu vas dire que toi tu gagnes quoi? Rien, ils sont seulement là. Vous te soutirez comme les sangsues. Chacun mange. Chacun prend ce qu'il peut prendre. Mais en retour, tu gagnes quoi? Rien. Donc, ici je ne gagne rien. Pourquoi je veux frotter? Maintenant, je me frotte à ce que je gagne. Ok? Je me frotte maintenant à ce que je gagne. Je ne gagne rien derrière, tu ne me frotte pas à toi. Je ne me frotte pas à toi. Je me frotte aux gens, je meurs. Je ne me frotte pas, je meurs. Donc, je me frotte plus aux gens. Je ne me frotte plus aux gens. C'est de ça qu'il s'agit. Ah ok, d'accord. Bonjour Marie-Laure. Comment tu vas, maman? C'est ça.
on ne croit plus aux gens. Je préfère même me frotter aux gens de Facebook parce que c'est le virtuel. Oui. Là, les partis à du bois. On peut s'entraider. Oui, dans les publicités. Au Cameroun, les relations, ça avait intérêt. Tu vois quelqu'un traîner derrière toi, c'est qu'il gagne quelque chose. Le jour qu'il ne gagne rien, tu ne vas plus voir. Il disparaît. Tant que tu les donnes, ils sont avec toi, bango, bango. Ne donne plus même un mois, tu vois le vrai visage des gens. Je dis que ne donne même plus, ne donne plus. Tant que tu les donnes, que chaque fin du mois, tu votes un budget, que voilà ce que te donne chaque mois. Tu sautes un mois, deux mois, tu ne donnes pas. Le vrai visage sort. Le vrai visage sort. Ils vont voir ailleurs. Personne n'est là pour tes beaux yeux. Ils vont voir ailleurs. Donc, mais un an au Cameroun a été très bénéfique. Parce que j'ai eu le temps de connaître qui est, de voir les vrais visages des gens. Donc, je rentre là, je n'ai plus de poids sur ma tête. Je rentre, je suis blessé. C'est ça que tu parles de ce moment, la reine m'a fou. Il faut laisser les gens au Cameroun. Vous n'avez pas d'amis au Cameroun. Vous n'avez pas de frères ni de soeurs au Cameroun. Ce n'est que des opportunistes qui vous cherchent parce qu'ils ont quelque chose à gagner derrière vous. S'ils n'ont rien à gagner, ils ne vont jamais vous gérer. Ils ne vont jamais vous gérer. C'est moi qui vous dis. Ils vous gèrent parce que vous financez, vous les donnez. Oui. Voilà, c'est ça. Moi, voici en train de rentrer. Un an que j'ai passé au Cameroun. Ce n'est pas que je n'ai pas donné aux gens. Hein. J'ai donné aux gens. Les familles ont mangé. Les enfants ont été scolarisés avec mes fonds que j'ai amenés au Cameroun. Et je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Je dis merci à Dieu parce que je l'ai fait de tout cœur. Je l'ai fait avec beaucoup d'amour. Les gens se sont nourris matin, midi, soir. Ok? Les gens, j'ai mis tout le monde à l'aise. Mais moi, voici en train de rentrer après un an. La seule personne qui m'a appelé pour me dire que Madokas, j'ai quelque chose pour toi. C'est ce jeune qui ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Je l'ai rencontré une seule fois chez la reine galloise. Je l'ai plus jamais revu. Mais c'est que ce jour, il m'a dit que pardon, maman, donne-moi ton numéro. Au retour, je vais te donner le pistache. Le seul. Tout ce qui est dans ma valise, j'ai acheté. Personne, même une boîte de Ndiansan. Que quelqu'un a dit que voilà une boîte de Ndiansan. Personne. J'ai dit personne, hein. Il est le seul qui m'a appelé. Vous dit que Madoka vient, je te donne quelque chose pour que tu rentres. Voilà. Bref. Bref. Voilà. Il y a le couscous, hein. Mais je vais commencer encore à sortir les sacs de couscous à partir de décembre. Le macabo, le mois prochain, les sacs, je vais commencer les livraisons des sacs. Le mois de novembre, c'est qui commence. Je vais commencer à livrer les sacs. Moi, voici qui rentre un an après. Un an que je suis en train de rentrer. Hein? Personne. Personne, hein? Et vous croyez que... Non, mais nous les Mbengis, on doit réfléchir, hein? On va réfléchir. Tu viens au Cameroun, tu rentres, personne ne te donne rien. Que cette personne ne t'appelle pas pour te dire que j'ai les maux de tête, je veux 500. Ne donnez pas. Mais elle a rien plus hier. Ne donnez pas. Parce qu'ils vont être là, ils vont donner l'impression que non, tu es bien plus que eux. Ils sont au Cameroun, ils ont la vie, ils ne louent pas, ils ne payent pas la lumière, ils ne payent pas l'eau, vous payez, on paye tout en même.
ils ont les gars là qui sont avec eux. Toi, tu réfléchis même que, ou même le gars avec eux. Non, ils vivent 100 fois plus bien. Ils accouchent chaque année. Toi, tu es là, tu dis que non, tu cherches là. Tu veux faire les enfants. Mais où le temps de faire les enfants? Avec le travail que tu dois faire. Parce que tu portes les charges au Cameroun. Non. Non, non, non. 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 Non, je vais bloquer beaucoup à Jade Owen quand je rentre là. J'ai pas besoin de relations bracata, des relations à sens unique là. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin des relations à sens unique. Les relations que je dois travailler comme l'esclave pour vous donner. Entre temps, vous êtes là, vous vivez vos vies. Voici rentre. La seule chose qui est dans mon sac, on m'a donné sur le pistache, c'est que vous montrez là. Tout, j'ai acheté. Tout. Ils n'ont jamais vu l'argent. Mais quand ils veulent, il faut que tu les donnes. Tu les donnes. Donne. En retour, tu donnes quoi? Rien. Même une boîte d'arachide. Il y a même une boîte de jambes sans que, au retour, même ils te donnent. Non. Mais il faut que tu les donnes. J'ai retenu ma leçon, hein, les gens. J'ai retenu ma leçon, hein. Voilà. Bon. Les gens qui croyaient que Dorcas c'est la mort. J'ai fini. Ah, mais ils demandent jusqu'à. Ne donnez plus haut. Tu viens au Cameroun, la maison te donne. On ne demande pas de donner les millions. Même si c'est une boîte de viande, c'est symbolique. Au nom de quoi vous croyez qu'on doit vous donner? Et vous ne pouvez pas donner aussi aux gens. Au nom de quoi? Ça, c'est quel égoïsme, ça c'est quelle mentalité, ça. Je vais passer à faire le live maintenant que les gens vont me donner. Je ne prends plus. Ma valise est même pleine. Je ne prends plus. Ma valise est pleine. Là où je suis là. Donc je peux même plus prendre un kilo parce que ma valise est appelée. Donc gardez vos choses dans vos maisons. C'est tout. C'est tout, hein. Voilà, Joséphine, c'est ça. Je suis pas les émissions à la maison. Là-bas, il y a vraiment. Tu veux boire quoi là-bas? Tu veux boire quelque chose? Donne-moi un caillou. Oui. C'est fini. Et alors, quoi, bois quoi alors? Tu as la harpe au bout de compresseur. Donne-moi une harpe glace. C'est le goût de maman Pépé. C'est maman Pépé qui m'a fait découvrir la harpe. N'est-ce pas, hein? La main, elle dit que c'est bon. 2000. C'est la viande de plus. Ça donne le lait. J'ai un ami aussi. Il y a aussi des. Il faut encourager les gens à prendre aussi les tensions à l'idée. Parce que la campagne de la terre, on peut les gens qui ne connaissent pas tout ça. Ah. Parce qu'ils ne connaissent pas prendre. Ils ne savent même pas qu'ils doivent prendre. La formation, là, on les apprend aussi à prendre ça. Les paramètres vitaux. Donc, on organise plus les campagnes de pistage et d'hypertension. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont hypertendues, mais qui ne connaissent pas. Vous avez les deux. Vous avez 850. C'est pas le placement. On prend d'abord l'argent. Le père, c'est Dieu qui nous protège. Il y a beaucoup de cas. Attends, 1800, la vie est à combien? C'est ça qui est 800, c'est cher. C'est plus cher que la vie. C'est 850.
La bière, c'est combien? 700. Parce qu'elle a dit 1854. Elle m'a venu dire. Ça veut dire qu'une bière, c'est combien? 1000 francs. Non. C'est une erreur. Non, il faut qu'elle revienne dire. Parce que lui, c'est vrai. C'est ça, au coup. Donc, la guinée. Oui, c'est vrai, la guinée. En tout cas, Marceline Joka, je rentre là, je suis blessé de guerre. Moi, je vous dis ça. Je rentre là, je suis blessé de guerre. Je pense à moi d'abord. Voilà. Avant, il y a un moment, j'avais même peur de manger. Que, ouais, y a tel... Non. Je dis que ça part que sur moi. On me veut vendre le rêve maintenant. Pas aux États-Unis, vendre le rêve. Je vois que chose qui me plaît, 1000 dollars, j'achète. Il y a encore que l'enfant est élevé. Je n'ai plus d'enfant élevé. Tous mes enfants sont partis. Il y a encore que l'enfant est élevé. Je n'ai plus personne. Donc, j'ai mon âge, j'ai économisé encore pour faire quoi. Même tous les investissements qu'elle dit que j'ai investi au Cameroun, mes enfants m'ont revenu quand au Cameroun. J'ai travaillé pour les autres. Tu dis que la bière c'est combien, mamie? Tu dis que 1850, une bière, un jus. Ah, c'est 1850. Oui. Origine avec ça. Ça fait combien? 1650. Alors, 1650. Tu peux bien parler, maman. Tu as peut-être t'as failli jeter l'air. Que la pièce à 1000 francs. Au Cameroun, le grand bien, c'est même possible que la pièce soit à 1000 francs. On va faire quoi? Et tu veux dire, on m'appelle à 6h pour venir faire des invités. Comme le congrès, on m'a fait. Quand vous êtes servi là, c'était la dernière fois que j'ai servi. Mais la bière, on n'a pas dit que on a mangé la bière. Il y a un petit qui est derrière. Le problème, c'est hier là, non. Le cas, il a quitté sur le congrès. Maman, la mère c'est aussi à son argent dedans. On a mangé la bière. La même ramouille je te donne. On a mangé la bière. Pas le goût de maman Pépé. Vous ne mangez pas ça à la banane. On va faire comment? Moi, monsieur Leba, on va pas augmenter comment? C'est pas pour voici de vous. Non, pardon. On augmente en haut, on augmente en bas. On a augmenté la bière. On va faire comment? Qui va perdre? Bien décapsulé. Tu vas assumer. Non, maintenant, même moi, je vendais déjà 700. Donc maintenant, j'ajoute 50 encore. Oui, 750. Nous, on vendait d'abord 500. Tu as vu, maintenant, c'est 750. La finesse, je n'ai pas acheté parce que le gars me dit 15 600 petits, mais il dit 1 franc. Il me montre la fiche, on va tout ça. C'est pour les fêtes seulement ou quoi? Non, non, non. Il est bien fait le communiqué, tous les gars ont été compris. Au lieu de 9 700, c'est à quoi là? Même matin, on marchait. Tout a augmenté. Papa, si j'achète comme ça, mon papa va faire. Dans 10 minutes comme ça. Ok. Oh oui, ça finit bientôt. Mon petit si. Il aide aussi les gens à s'inscrire dans la loterie américaine. Donc la loterie, ça finit non? Le 7. Ça finit le 7. Donc ceux qui ont les petits frères là qui n'ont pas encore joué là. Allô? Contactez-le, il aide vos frères à jouer. Allô? C'est ça qu'il fait. Il fait aussi dans ça. Il aide les gens. Ah. Ça n'a pas d'âge. Il fait exprès, comme vous le savez. Oui. Ça n'a pas l'âge. Il n'y a pas la restriction d'âge, mais il y a ce qu'il faut être au moins minimum bac. Ou formation professionnelle. Éligible. Il faut être éligible, mais il n'y a pas l'âge. Mais si tu es éligible, moi je connais un père, qui est avec qui je suis dans la même ville aux États-Unis, qui a gagné avec, il a fait partie sa femme et tous ses enfants, même les petits-fils. Là, je l'ai gagné. Oui. Maintenant tout le monde est là-bas. Hein. Donc il n'y a pas d'âge.
aux États-Unis, tant que tu as la force. Donne ton numéro. Tous ceux qui veulent jouer la loterie américaine là. On ferme bientôt, il reste même. Dans 7 jours, dans combien? Dans 5 jours. On ferme. Donc appelez-les, ils aident vos gens à jouer à la loterie. Moi, j'ai fait ça une année. Cette année, j'ai juste mis le lien que chacun joue. Mais ils vous aident à jouer. Il vous aide, donc voilà son numéro que j'ai pensé. 674 96 04 97. C'est mon numéro, même sur les réseaux sociaux, il y a ça partout. C'est mon numéro, appel, WhatsApp. Oui, voilà, le jambou, même il ne joue pas. Hein. On dit bien loterie, non, le père. Avec le jambou. Le jambou, non. Lui-même, il joue, il ne gagne pas. Non. Peut-être d'autres gens gagnent, lui, il ne gagne pas. Il y a 30 personnes aux États-Unis qui sont passées. Mais lui, il n'a jamais gagné. C'est le hasard. C'est le hasard, non. C'est le jambou. C'est comme le tien, c'est que tu joues là, non. Est-ce que tu connais qui va gagner? Non, quand il joue, mais je sais que celui qui va entrer. Ah. C'est un diable, papa. Il n'y a personne qui va te dire qu'il va te faire gagner. C'est faux. Même si c'est un Américain, ils n'ont pas le contrôle. C'est la machine. C'est la machine qui sélectionne. Ils n'ont pas le contrôle. C'est qu'on bluffe alors les gens. Le critère de sélection, c'est quoi? C'est qu'on manque autant que non. Niveau bac. Formation professionnelle. Je dis critère de sélection. Non. Il n'y a pas de critères d'éligibilité. Il y a des critères d'éligibilité parce que tu peux être sélectionné, tu ne remplis pas les conditions d'éligibilité. À l'ambassade, on va te refuser le visa. Tu peux venir que tu n'as pas le bac, tu joues, tu gagnes. Il y a des gens qui ont gagné. Quand tu arrives maintenant à l'ambassade, on dit que ouais, ton bac, tu n'as pas le bac, tu rentres au quartier. Et tu as payé les frais de visa, tout. Tu as payé tout. On peut jouer étant en France et mais bien sûr, ton visa te donne seulement la même si tu es en France, tu as la nationalité française, tu veux émigrer aux États-Unis, jouer à l'autre, tu gagnes, il y a l'ambassade des États-Unis en France, ta procédure va se passer là-bas. Mais dans, quand tu es en train de jouer, on va te dire ton pays de résidence, mais la France, parce que tu vis en France. Nationalité française, parce que tu n'es plus camerounais, tu es français. À part inscrit, je coach, mais j'ai un groupe de coaching où je montre aux gens comment faire ça. Voilà. Mais toi, tu aides les gens comment? Est-ce qu'il y a une façon de jouer ça? Je montre comment t'inscrire en ligne, non? Comment ça fonctionne? C'est toute une procédure. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a pas le coaching gratuit, c'est l'inscription qu'on me fait. Le coaching est gratuit dans le groupe WhatsApp. Même tu ne parles pas en anglais. Mais il y a Google Translate, non? Ah, si tu entres dans l'application, c'est en anglais. Va sur Google. Tu copies ce qu'on a écrit, tu mets sur Google, ça te translate. Il y a même l'option traduit là-bas. Voilà. Il y a l'option traduit là-bas. C'est les trois points qui sont souvent à l'escrivité au bout de droite là. Donc même si vous êtes les Français, c'est vrai, vous savez, serait plus facile en France, au travail difficile. Vous voulez émigrer aux États-Unis, jouer à la loterie américaine. On ne sait jamais, ça ferme dans 5 jours. Donc jouez à la loterie. Vous pouvez me contacter et le lien également dans ma page. Voilà, le lien également dans ma page. Vous cliquez sur le lien, vous suivez la procédure et donc, vous allez jouer. Ceux qui ont les difficultés, qui n'arrivent pas à comprendre le processus, vous le contactez. Voilà mon numéro, il est sur WhatsApp. Même à distance, il faut vous coacher. Même à distance, il faut vous coacher, vous permettre de jouer. Ou alors, vous pouvez l'envoyer vos informations. Il joue pour vous, à partir du Cameroun. Mais il met lieu de résidence France. Si vous êtes français, vous mettez, même si vous n'avez pas les papiers en main, ça ne vous disqualifie pas de jouer. Tu as les difficultés en France pour avoir tes papiers. La loterie américaine, c'est une bonne opportunité. Ça donne l'opportunité. Mon ami, j'ai un ami aux États-Unis actuellement. Il était sans papiers en Allemagne. On l'a même déjà mis sur déportation. Il a joué à la loterie à la dernière minute qu'on lui disait hier qu'il était sur la porte du Cameroun. Il a gagné la loterie américaine. Oui, il est aux États-Unis actuellement. Parce que l'Amérique n'a rien à voir avec son statut en Allemagne. Tu joues à la loterie, tu gagnes. L'Amérique te traite parce que tu as gagné. Il ne veut pas savoir si en Allemagne, la seule chose qu'on peut regarder, c'est s'il était un délinquant en Allemagne, s'il était un bandit, s'il était un criminel. Même au Cameroun, on demande le casier judiciaire. On veut connaître quel est ton statut moral. Parce que les Noirs américains les fatiguent. Ils n'ont pas besoin de porter d'autres délinquants pour venir ajouter sur les pas des délinquants. Ils veulent la crème des crèmes.
ils veulent les têtes pensantes des pays. Vous voyez un peu le Canada actuellement. Ils sont en train de vider le Cameroun de ses têtes pensantes. Tous les grands fonctionnaires camerounais. Voilà. Les Canadiens ne sont pas là pour blaguer. Toutes les têtes pensantes dans le monde, ça qu'ils prennent. Ils ne viennent pas vous prendre la racaille. Ils ne viennent pas vous prendre la racaille. C'est les moteurs, ceux-là même que le pays attend que non, c'est la relève de demain. Ils ramassent en conteneur, ils partent avec. Le Canada. Ici là. Ok, papa. Attends. Ici là, ça ne vaut pas la peine. Ici là, c'est pas ici. Donc vous voyez le Canada en train de ramasser les gens actuellement. Vous partez avec. Les gens passent. Cette année, je ne peux pas vous compter le nombre de personnes que je connais. Les infirmiers diplômés d'État, les professeurs. Le Canada en train de vider le Cameroun de tous les enseignants, les meilleurs enseignants qualifiés. Cette année seulement. Pour ceux qui vont me contacter, il faut préciser que vous venez de la part de Madocas parce que beaucoup de gens me contactent, donc c'est difficile de répondre à tout le monde en même temps. Fais prendre la pierre. C'est quoi le fait que mec la pousse, ça doit partir. Donc ceux qui vont me contacter, il faut même préciser que vous venez de la part de Madocas parce que beaucoup de gens me contactent sans dire exactement pourquoi ils me contactent et je ne peux pas répondre à tout le monde. Voilà. Donc vous précisez que vous venez de la part de Madocas, là je vais vous mettre en. Aïe aïe aïe. Merci pour les cœurs, merci. Voilà. On a passé de très bons moments. Ouais. Attendez, j'appelle. Merci. Ouais. Notre soeur du centre social, Notre-Dame de Victoire là. Je vais te rappeler. Cherche alors, maman, il va dormir ici là. Comme moi, il va partir, pardon. 15 jours. Irène Emma, comment tu vas, ma chérie? Bonsoir à toi. Donc, merci, Marceline Djongan. Irène, bonjour à toi. Donc, comme je disais, tous ceux qui me contactent sur mon numéro, WhatsApp des États-Unis, le numéro pour le moment est inactif. Ok? Le numéro est désactivé parce que ce téléphone, c'est là où il y avait le numéro WhatsApp là. Et je vais laisser ça à ma grande soeur. Donc, j'ai désactivé WhatsApp ici là. Donc, le numéro, je m'en vais comme ça à la rencontre de ma grande soeur. Je vais lui remettre ce téléphone. Ok? Donc, ne m'écrivez pas sur le numéro WhatsApp des États-Unis. C'est inactif depuis ce matin. Et mon numéro WhatsApp du Cameroun également, ça va être actif jusqu'au jour que je vais décoller. Parce que tous ces téléphones, je vais laisser ça. Je ne vais pas partir avec. Donc, je vais laisser. Donc, ça va être... Ah non! Même ça va être actif. Parce que je vais transférer ça dans l'un de mes téléphones des États-Unis. Donc le WhatsApp va être actif là-bas. Quand vous allez envoyer les messages, c'est mes enfants qui vont recevoir jusqu'à ce que j'atterrisse. Parce que tous ces téléphones-ci vont rester. Je n'aurai pas besoin de ça. Donc le seul téléphone que je vais rentrer avec, c'est mon Samsung le Samsung S24 que j'ai là. C'est ça que je vais rentrer avec. Donc les autres Samsung là vont rester. Mon numéro camerounais, c'est le 677 38 06 98. Je répète, mon numéro camerounais 677
38 06 98. Donc tous ceux qui veulent m'appeler, appelez-moi sur le WhatsApp du Cameroun. C'est ça qui est actif. Appelez-moi sur mon WhatsApp du Cameroun. C'est ça qui est actif pour le moment. Donc l'autre WhatsApp. L'autre WhatsApp n'est pas actif. Donc c'est ça. Sandy Mbi, je vais te bloquer. Je sais pas de quoi tu veux me parler là. On parle d'une chose, je parle d'autre. Voilà, la haine vous donne même quoi comme ça. Appuie les autres sous là-bas, les téléphones. Et moi ici, tu vas me laisser quoi. Comme j'ai eu ta chance, je te raconte. Est-ce le goût de maman Pépé là? C'est elle qui m'a fait découvrir. Maman, les TK se sont chargés. Depuis mon dernier live que j'ai fait là-bas. Oula, à l'ambassade. Maman, ils m'ont chargé comme ça. Maman, où j'avais mangé que quoi le jour là-haut? C'est venu caler sur mes dents. Et tout. Maman, ils ont. Moi, je fais là, je connaissais même. Vraiment, bref, elle était cassée. Regardez. Jusqu'à ils prennent des commandes, vous mettre à côté de moi. Non, vous aimez les. Pourquoi vous n'aimez pas la paix? Les TKC. Pourquoi vous n'aimez pas la paix? Ils prennent ma photo et ils mettent là. Vraiment. Ah ouais, mes dents là. Donc, vous ne pouvez pas savoir que j'ai dû manger quelque chose ce jour-là qui était calé dans mes dents. Et peut-être le jour, le filtre que j'avais mis aussi, ah, je sais pas où ça a rougi mes dents, où ça. Moi-même, quand j'ai vu ça, c'est Wanda. Quand j'ai vu ça, moi-même, j'ai Wanda. Moi, j'ai les dents très propres, ok? J'ai les dents très propres, ok? Donc, arrêtez de me saboter. Hé, maman, Christian de Monaco, maman, il était le premier. Hein? Il dit que la cousine de Deco Mamou. Hey, Christian de Monaco, je voulais venir écrire en bas qu'elle était Mimbangrassi. Après j'ai encore essayé, j'ai encore regardé comme ça, elle sous le nom de maman Pépé en Pépé. Non, j'ai laissé non, ouais. Elle s'est parlé encore de Pépé. Elle m'a fait quoi? Elle a juste donné son, mon avis, non? Maman, la tête cassée marche. La tête cassée. Voilà mes dents. Fais les captures. Donc ça les dents. Maman, pourquoi les dents blanches comme ça? Vous dites que moi les dents. Vous êtes malade dans vos têtes. Toujours là, j'ai mangé les caramels. Ok? J'ai mangé, acheté un gros sachet de caramel que j'ai beaucoup mangé. Et puis c'est la peau. Des arachides qui ont collé ici là. Ok, vous avez une femme de la capture, vous vous branlez là avec ça dans toutes les pages. Est-ce que vous gère? Ne vous gère pas. Un an au Cameroun, c'est donné. Envoyez vos staff un an au Cameroun, on voit. Et ils gardent le même standing, un an. C'est facile. Faut respecter les gens qui ont vécu. Hein. Preciosia, comment tu vas? Tu aimes trop maman Pépé, mais tu fais ça. Il y a quelqu'un pour voir avec Pépé, tu avais goûté tout. Oui, j'avais mangé les arachides, les caramels. J'avais mangé les caramels, mes gens. Les caramels qui ont brûlé jusqu'à c'est devenu noir, là, j'ai mangé ça. Ou c'est ça qui avait rougi mes dents, je ne sais pas. Je n'avais pas prévu faire le live. Donc. Quand je suis sorti de l'ambassade, j'étais tellement énervé que j'ai lancé le live comme ça. Et quand tu lances le live comme ça, ça sort comme ça sort. J'ai lancé le live comme ça là. Après moi-même, quand j'ai revu le live, que c'est quoi ça dans mes dents? J'ai mangé que quoi? Et je ne veux pas vous dire autre chose que j'ai mangé. Vous allez prendre ça pour m'insulter avec. Je ne veux pas vous dire autre chose que j'avais mangé. Bon, je vous dis ça entre nous, non. Je dis doucement pour que quelqu'un ne comprenne pas. J'avais mangé le calabas.
J'étais avec une de mes sœurs, elle a acheté au Calaba, on a mangé au Calaba qui a la couleur rouge là. C'est ça que j'avais mangé. On a mangé les caramels et on a mangé au Calaba, au Calaba qui est rouge là. C'est ça que j'avais mangé. Et je crois que c'est ça qui avait rouge mes dents. Je ne sais pas. Hein. Où c'est quoi, je ne sais pas. Ah. Ce n'est pas que je suis mangeuse de Calaba pour maintenant, mais pas vraiment. Ça m'arrive. Je dis à personne, hein. Je dis à personne qui mange le Calaba. Moi j'avais mangé le Calaba. On avait acheté le Calaba qui est un peu rouge blanc là. Ça sentait bon juste là. C'est ça que j'avais mangé, j'ai mangé les caramels. J'ai mangé les caramels qui sont bien brisés là. Pardon, ne dites à personne. Hein. On me clashe avec ça sur tête. Il y a des choses au Waka. T'es mimbang. Tu as compris, non? Sandy Mibi. T'es mimbang froissé. T'es mimbang qui pend au sol. Provoquez-moi, je suis en train de rentrer au steak. Ah, ce n'est pas comme au Cameroun qui n'a pas la connexion. Au Cameroun, au steak, il y a la connexion. Vous faites votre fête, tout ce qui me provoque là. Ah. Ah. En tout cas, moi, je ne gère pas les TKC qui me clashent. Bébé, tu ne me clashes pas. Les à côté. Les à côté là. Comme les sangs Membi là. Et à côté là. Je ne gère pas. Mon boss est éteint. Maintenant, c'est mon internet de mon téléphone que je suis en train de finir. Mon boss est éteint. La maman là pour son argent. Hein? Maman, donne-lui pardon. Bon, vous avez vu, non, là, c'est un touchement au Cameroun. Rien que comme on a assis là, au moins combien 10 000. Ayant, c'est un touchement, hein. Donc, c'est mieux qu'elle rentre, non. Bisous. Je vous aime. Bye bye. On se prend, hein. Je suis pas sûr que peut-être on va seulement se prendre quand on va encore se voir pour le décryptage de ce que vous connaissez. Donc, sur ce, bisous, bye bye.